Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo très spéciale parce que je suis en compagnie de Loubi. Salut les gars. Il a un petit problème et du coup j'ai dit rien de mieux que Loubi une vidéo. Pour en faire une vidéo. Et c'est vrai, on va en faire une vidéo. Alors là il rigole, mais c'est un sujet qui est assez sensible, alors je vous explique pourquoi. Il y a quelques temps il était avec une fille, d'accord. Et cette fille, malheureusement il l'a quittée parce qu'il s'entendait plus avec. Rien de plus, rien de moins, c'était une fille qui était assez dure psychologiquement, tout ça, elle l'emmerdait pour rien. Bref, il a préféré mettre un terme. Tu es resté combien de temps avec elle? Pas longtemps. C'est un mois et demi. Un mois et demi. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'elle dit qu'en gros elle s'est faite frapper, donc elle a des grands frères. Et en fait, elle fait croire à ses frères que Loubi l'a frappé. Donc du coup maintenant, on a les frères de la fille qui harcèlent Loubi et qui veulent venir le frapper. J'ai résumé la situation. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quoi au téléphone? Genre, ils t'ont menacé, ils t'ont fait quoi? Ouais. C'est où tu habites du coup? Parce qu'elle sait où tu habites. Bah ouais, du coup, vu qu'elle est déjà venue à la maison, et ouais, elle sait où j'habite. Ouais, genre ils commencent à faire des menaces, envoyer des messages sur Insta, genre à m'appeler en privé le soir, tard et tout. Au travail, ils sont déjà venus. Ouais, pour voir où je travaille et tout. Bon, en plus, c'est pas compliqué de savoir où je travaille en plus. Et là, en fait, ils doivent venir quand aujourd'hui, c'est ça? Ouais, ils m'ont dit, ouais, aujourd'hui à 16h on vient. Donc après, est-ce que c'est vrai ou pas, ça je sais pas. Mais essayé de leur expliquer que c'était pas vrai, que c'était. Ouais, j'essaie déjà d'expliquer. Genre au téléphone, j'ai dit, les gars, tranquille et tout, venons, on discute. Les gars, est-ce que votre soeur elle vous dit c'est mytho? Genre, c'est pas vrai, j'ai jamais frappé. Genre, est-ce qu'elle a une marque sur elle? Non, mais surtout que moi je le connais, Loubi, je sais que c'est pas un mec violent, donc je sais que c'est pas un mec, il frappe même pas. Enfin, je veux dire, déjà pour se battre avec un homme, déjà Loubi, il faut pousser vraiment à bout. C'est pas le mec qui va lever la main en premier, tu vois. Mais une femme, franchement, je le connais très bien, les gars, je le connais depuis qu'il a 12 ans, 13 ans. Je peux vous dire, les gars, qu'il a jamais frappé qui que ce soit, et encore moins une femme. Donc je sais que ce qu'elle raconte, c'est de la merde, c'est des conneries. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est que soi-disant, ils doivent venir aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, ouais. Ils doivent venir aujourd'hui devant chez toi. Ok, donc ce qu'on va faire, comme si c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, sauf que lui, il n'est pas fouté. Ben, on va se mettre à proximité de sa porte d'entrée de chez lui, on va se mettre en caméra cachée, on va filmer, on va d'abord voir comment ça se passe, je vais te laisser au dé. Tu connais, tu sais comment ça se passe, mais je reste quand même pour les gens. Mais on va, en gros, on va le laisser tout seul. On va le laisser discuter et si je vois vraiment que ça dégénère, à ce moment-là, je viendrai et on les fera partir. D'accord? Comme il faut. Voilà, comme il faut et comme on a toujours fait. C'est ça. Voilà les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va se mettre devant chez Loubi, on va aller chez lui, on va commencer à filmer. Et puis quand on les verra arriver, on reprendra la caméra. Et la suite, ben, il n'y a que Dieu qui la connaît. Voilà, je vous fais une bise et je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage à tous. Ciao. Bon voilà les gars, là on est devant chez Loubi. Donc Loubi il est chez lui, il habite juste en haut au premier étage, juste là où il y a les barreaux. Vous voyez, c'est un hall d'immeuble. En fait voilà, s'ils viennent, ben, ça sera ici. Donc on va se mettre à filmer à partir du moment où on voit du mouvement. Voilà. Ouais, c'est eux, c'est sûr. Ils sont 4, 5, comme ils sont. Je crois qu'il a appelé Loubi. Putain, c'est cool, il y a Loubi quand même. Il sait qu'ils sont 4? Ben, il va le voir demain, je pense pas. 1, 2, 3, 4, ok. Je fais quoi? J'ai pas frappé, j'ai même pas touché une fois ta petite soeur. Pas touché une fois ta petite soeur. Pourquoi tu fais un 4? Oui. Tes collègues? Ouais. Pourquoi tu fais un 4? Je sais. 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 Je vais finir comment? Très, très, très mal à mon avis. Ah bon? Alors que j'avais fait? Tu as vu Nex, avant moi, tu vois, avant moi. Oui. Des problèmes avec. Tu allais le frapper. Oui. Ben voilà, à chaque fois, à chaque copain qu'elle a, à chaque fois que tu allais le frapper, tu te poses pas un peu la question. Je sais pas. Qu'elle a un problème. Juste. C'est tout. Ouais. Ouais. Pourquoi tu crois vraiment que mon soeur est amoureuse de toi en plus? Mais là, qu'est-ce que tu as? À ce que je vois, oui. Pourquoi t'as chez moi, toi? Hein? La question d'avoir menacé ma soeur, c'est pas que je suis comme 4, quoi. C'est quand tu veux faire frapper, frère. Et tu le sais. Tu as la mesure de faire frapper. Tu as la mesure de faire frapper. Et si je vais pas me compris, parce que si je suis toi, j'ai compris. Ouais. Il y a du monde autour. Je vais commencer à crier.
t'as commencé à frapper devant tout le monde. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous venez depuis combien de temps? Mais ça fait longtemps que je le connais, pourquoi que c'est... Bon, tu l'as vu, c'est un bon jeune ce mec là. Qui c'était? Je l'ai frappé moi? Non, mais non. Je sais pas les gars, je veux pas d'histoire moi ici, je veux pas d'histoire ici. On veut pas d'histoire ici. Les gars. Vous gazez, j'ai pas envie de vous gazer, allez. Vas-y frérot. Ça va. Tranquille. Les gars, tenez.